Salut les filles, donc me voilà de retour du mondial de la coiffure et de la beauté. Donc d'ailleurs j'en garde encore le souvenir, donc j'ai le petit passe, donc le petit bracelet qui m'a permis de virevolter entre la halle et le zénith. Alors je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé. Donc et vous parler sincèrement de la chose. Tout d'abord je me suis très très bien amusée, je parlerai un petit peu de Myriam et de Pauline à la fin. Pour vous dire que c'est une très bonne expérience qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Franchement, si vous avez l'occasion, si vous avez un tarif entreprise ou quelque chose comme ça, c'est à tester. Effectivement, on retrouve beaucoup de produits de coiffeur, de lisseur, de coloration, de coupes drastiques, c'est vraiment très très étonnant. Et des extensions, en ce moment la mode va aux extensions à plumes, on a vu beaucoup ce type de choses. Mon avis sur le sujet, c'est vraiment très agréable. Les stands sont assez espacés, c'est très très grand. Ce qui est bien, c'est que on a la marque de chacun des exposants avec leur personnalisation par rapport à leur entreprise. Si ça va vers tel ou tel produit, l'image va correspondre ainsi que le décor. Donc voilà à ce niveau. Oui, c'était très très bien. Par contre, je trouve que personnellement, si je devais investir 60 euros pour retourner voir ce mondial, je ne le ferais pas. Parce que moi je suis très intéressée par tout ce qui est naturel. Si ça m'est offert, il n'y a pas de souci, j'y retournerai volontiers. Mais mettre 60 euros pour ça, pas trop. Voilà. Moyen. Mais c'est vrai que c'était très très bien à voir. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tout ce qui est coiffeur, de chimique, de L'Oréal, Schwarzkopf et compagnie, j'ai quand même trouvé des petites perles qui sont plus ou moins dans le naturel. J'ai pu faire des interviews pour vous, des personnes qui s'occupent de ça. Après, j'ai pris un petit peu de tout. Vous allez pouvoir constater que... j'ai pris un petit peu des démonstrations d'extensions sur certaines filles, des coupes de cheveux, un spectacle. J'ai vraiment diversifié, mais j'ai surtout insisté par rapport aux interviews sur le côté un petit peu naturel de la chose, étant donné que mon but était surtout de trouver quoi. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je suis revenue. Déjà un sac qui est très sympathique, qui va pouvoir me permettre de faire mes courses. Bon, je le trouve très marrant, il est brillant. Je te remercie Myriam, c'est elle qui me l'a filé parce qu'elle a fait un achat. Il est sympathique pour faire les courses ou pour transporter quelque chose, ça peut faire l'affaire. Mais je ne suis pas revenue qu'avec ça. Oui, je vais faire petit à petit, hein. Alors... Il y avait un stand où il y avait une sorte de grand plat avec ces petits trucs-là. On dirait des bonbons ou des élastiques. Je savais pas trop à quoi ça servait et je savais pas si c'était payant, mais apparemment on pouvait se servir. Heureusement qu'il y avait un monsieur qui était à côté de moi pour m'expliquer un peu à quoi ça servait, parce que sinon j'aurais jamais trouvé, je pense. En fait, ce sont des petits anneaux creux sur les côtés pour mettre dans le creux des ciseaux pour éviter de se faire mal aux doigts. Il suffit de les insérer apparemment ça devrait moins faire mal aux doigts. Comme c'était libre service, je me suis servi, j'ai pris des violets, j'ai pris des roses et des verts. Voilà, tout d'abord. Ça peut être utile. De même, dans cette exposition, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ciseaux. Avec des petits diamants, des petits bijoux, des ciseaux zébrés, des ciseaux à des petits cœurs, des petites étoiles, gna gna gna. Voilà, c'était beaucoup de ça, quoi. Mais je veux dire, les prix sont vraiment exorbitants de ce côté-là. Je n'ai pas investi dans des ciseaux. Ce sont mes ciseaux de base. Hein. Vous allez me dire, mais qu'as-tu acheté, Audrey? Ben, figurez-vous que je suis revenue qu'avec un seul truc pour les cheveux. C'est ceci.
Ouais, c'est bizarre, hein, gardez-moi ça. On dirait un fil de téléphone, les vieux téléphones. Je sais plus combien j'ai payé ça, 3 euros, 3,50 € et c'est un élastique à cheveux. Donc par contre, étant donné que c'est du plastique, je vais mettre d'abord un autre élastique, donc type comme celui-ci que j'ai, et le mettre en décoration par-dessus. Donc voilà, c'est le seul accessoire cheveux que j'ai trouvé parce que franchement, il n'y avait rien de super intéressant, je trouvais. Après, c'était tout ce qui était basique, des pinces plates, des pinces de coiffeur, là, les petites pinces crocodile, voilà, des petites babioles qui m'intéressaient pas forcément, qui n'étaient pas très originales. Et après, en fait, j'ai surtout investi dans des bijoux. Donc, ça n'a rien du tout à voir. D'ailleurs, j'ai pris un chambala couleur violet. J'en ai pris un vert. D'ailleurs, il est encore emballé. Et après, il y avait un autre stand où il y avait des super bijoux. Donc, je me suis un peu lâchée et c'était vraiment pas cher. Donc, vite fait pour faire la pub. Donc, hop. Bah, y a plus les prix dessus, mais vous voyez un peu. Ensuite, un rose un peu plus gros. C'est vrai qu'il fait très très gros, mais qui peut être très sympa avec une petite tenue sympathique blanche ou rose. Donc après, un peu plus classique, on va dans le noir. Et enfin, le dernier, un peu de transparence et de coloris à la fois. Voilà. Donc, comme vous pouvez constater, je suis revenue avec beaucoup de bijoux et très peu de choses pour les cheveux. Après, je suis revenue aussi avec ceci. Un petit vapeau de coiffeur. Parce que bah, j'en avais pas et justement il m'en fallait un. Donc étant sur place, j'en ai profité. Et comme vous pouvez constater, il y a déjà quelque chose dedans. Donc je vais vous parler vite fait de ma recette. Vite fait, hein. Je fais vraiment un petit coup de boost là-dessus. Donc c'est un spray qui est hydratant pour les cheveux. Fait à base d'eau minérale, d'aloe vera, de protéines de riz, provitamine B5, de complexe hydratation intense, de Cosgar pour la conservation et d'une fragrance Beauty Addict. Donc pour les intéressés, je vais mettre la recette en dessous de cette vidéo, hein. Donc j'ai acheté ceci. Donc voilà à ce sujet. Donc ensuite j'ai discuté avec des messieurs qui proposent des marques plus ou moins végétales et biologiques. Donc ça concerne surtout la vente aux coiffeurs, donc pas forcément en particulier, mais il y a certains produits donc qu'on peut retrouver sur internet, donc ça peut être quand même intéressant. Donc je vous montre un petit peu vite fait les marques. Donc il y a vraiment le coup de cœur que j'ai eu pour une certaine marque, qui est Mascapar, les cuisiniers du cheveu. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu la publicité sur internet. Donc là, j'ai eu ce petit dépliant qui donne vraiment très envie. J'ai regardé la composition des produits qui est vraiment pas mal du tout et qui vraiment, regardez, s'opère pour tous les types de cheveux, pour toutes les couleurs. Donc là, on a pour les cheveux bruns. Donc on a propriété, conseil d'utilisation, les différents produits. On a également pour les cheveux blonds. Ensuite, pour cheveux roux, il y a vraiment pour tout le monde, c'est ça qui est pas mal du tout. Pour cheveux secs, on a une gamme argile pour le cuir chevelu. Et enfin, une gamme coiffant et complexe aromatique. Donc, étant sur place, j'ai pu un peu regarder les produits, regarder les senteurs, regarder les composants. Et c'est vrai que c'est une très très bonne marque que j'ai retrouvée. Après, reste à négocier si je peux essayer d'avoir des produits donc de leur part pour vous en parler un peu plus ou pour les tester. Dans tous les cas, j'ai leurs coordonnées, je verrai bien par rapport à ceci. Donc ensuite, nous avons les cosmétiques Mulatto. Bon, j'ai eu plusieurs dépliants, donc je ne sais pas si on voit grand-chose là-dedans. Bon, là, c'est les compléments alimentaires, non, pas pour le moment. Donc on a une présentation avec l'argile de chez Mulatto Cosmétique. Donc c'est écrit la cosmétique naturelle, mais j'ai pu constater que dans certains de leurs shampoings, il y avait de l'ammonium laureth ou lauryl sulfate, mais il n'y a pas de parabène silicone. Donc c'est déjà pas mal du tout. J'ai constaté aussi qu'il y avait des dérivés de pétrochimiques dans certains de leurs produits, pas tous.
Pas tous, donc ils ont quand même fait l'effort par rapport aux produits vendus aux coiffeurs. Étant donné que, d'après ce que j'ai su, c'est que les coiffeurs n'aiment pas ne partent pas sur quelque chose de 100% naturel. Parce qu'apparemment, la base de la vente serait trop douce, trop légère, et donc n'éliminerait pas assez bien, selon eux, les soins, les restes de coloration, par exemple, quand ils rincent, et ça leur fait perdre beaucoup de temps. Donc d'après ce qu'on a pu me dire, il faut quand même qu'il reste encore quelques petits trucs, entre guillemets, dégueux en ce qui concerne les coiffeurs. Mais sachez que ces marques donc sont vendues normalement aux professionnels. Donc normalement ça s'applique pas à nous, mais on peut quand même constater l'effort de certaines marques à ce sujet. Donc j'ai pas été déçue. J'étais quand même très contente de pouvoir trouver quand même quelque chose de naturel, de végétal, qui sorte un petit peu de tout ce que j'ai pu constater. D'ailleurs, ce monsieur était très très gentil, parce que normalement je n'étais pas censée avoir de produits à tester ou autre. Mais de chez Mulatto, j'ai eu un soin ombre naturelle, repigmentant, cheveux colorés ou naturels. Reflet chocolat marron. Donc vraiment un tout petit test. Donc ça va pouvoir me faire une à deux applications. Donc voilà un petit peu le tube, comment ça se présente. Et donc c'est Mulatto. Donc mode d'emploi, donc sur cheveux naturels donne des reflets marron chocolat, sur cheveux colorés ou méchés ravive l'intensité de la couleur, beurre de karité bio, mica, huile de tournesol bio. Sur cheveux lavés et essorés à l'aide de gants, appliquez uniformément avec un peigne, laissez poser 10 à 15 minutes, rincez abondamment. On verra bien, pourquoi pas. Donc sans ammoniac, sans résorcine, sans parabène, donc on verra bien ce que ça donne par rapport à ce produit. Donc surtout, franchement, si vous êtes intéressé vraiment par cette exposition, je vous invite vraiment à aller voir les interviews qui sont vraiment très très intéressantes. J'ai eu en général les personnes qui ont créé la marque ou qui s'occupent donc de la marque. Donc franchement, si vous voulez directement avoir l'avis de la personne donc, qui a fait cette marque, avoir, je ne sais pas comment vous dire. Une présentation complète du produit. Franchement, n'hésitez pas à regarder. C'est vraiment très très intéressant. Même si vous n'êtes pas susceptible d'acheter. Convenons-nous. Donc voilà, maintenant un léger petit clin d'œil à Myriam Derer qui était avec moi. Donc qui est auteur et qui nous a fait un superbe livre qui s'appelle Libre enfin libre. Donc elle m'a dédicacé. Donc, Myriam, je te souhaite d'être une très grande auteure et j'espère que tes futurs livres donc, auront autant de succès donc, que celui-ci. Enfin, j'espère bien que celui-ci déjà a du succès à la base. Donc, c'était vraiment une petite pub pour cette demoiselle qui mérite vraiment la lecture de son livre. Donc, je vous laisse également le lien en ce qui concerne celui-ci. Donc, vous pourrez le trouver donc, sur divers points de vente sur Internet. Ensuite, un petit mot donc pour Miss Pauline Mini, que j'ai été ravie de rencontrer, également pour Elena, Myriam évidemment, ainsi que ses amies Marine et Cindy. C'était vraiment une très très bonne journée, c'était vraiment génial, il y avait beaucoup de choses à découvrir. C'était vraiment une explosion de savoir, de choses à voir. J'ai été vraiment ébahie par certaines choses et. Franchement, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est le body painting. Donc, si vous aimez ça, vous n'allez pas être déçus. Donc, voilà pour cette petite vidéo qui a duré plus ou moins longtemps parce que je voulais vraiment vous présenter les choses et vous donner mon avis par rapport à ça. Parce que ben, je pense que quand même, c'est bien de faire des vidéos, mais donner un peu mon avis de la chose, c'était vraiment génial. Donc, ce fut vraiment une très très bonne journée découverte. Encore merci à Jimmy donc qui m'a contacté et m'a envoyé les invitations. Vraiment tous mes remerciements, c'était vraiment génial. Et vraiment merci à vous tous, merci à vous toutes de m'écouter. Je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!